live anniversaire pour Wakfu. Un petit live très sympa. On est sur la bêta, donc pas mon personnage prévu hein, normalement, puisque là il est équipé en berserk, il n'a même pas les sorts d'équiper, il n'a rien du tout. Mais c'est mon perso de base. On va découvrir ce que réserve cette faille, elle est sur la bêta. Et mène vers des endroits, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Endroit nostalgique, faubourg, champ. Ok, on va voir ce que ça donne. C'est assez joli. On dirait Dofus. Est-ce que j'aurais donné Dofus en version Wakfu? Ouais, visiblement. Ça, c'est vachement grand. Alors, je connais pas Dofus. Donc, mais en vrai, ça ressemble trop. Pour le peu que j'en ai vu, ça ressemble vachement. Ou alors, c'est les premières versions de Wakfu. C'est peut-être ça, ouais. Bon, attends, par contre, pourquoi j'ai pas de. Il est mort lui ou. Ouais, ça semblerait une early version de Wakfu. Ok. Alors, ancienne Amakna, voyons voir ce que c'est. Oh putain, attends, est-ce que ça, je l'ai pas connu? Oh ah, c'est possible que je l'ai connu, ça, la vache! Oh ah ouais, non mais ça en vrai, je l'ai connu. Ça, je crois bien. Mais oui, putain, il y a les Havre Monde! Oh putain, j'ai connu ça! Oh la vache! Oh, c'est des morceaux des vieilles cartes. Oh putain. Eh mais ça je l'ai connu quoi. C'était le début. C'était le tout début. On se faisait la guerre avec des salades. Et sans déconner, on se faisait la guerre avec des salades. Et là putain on retrouve ça. Oh là là. Je l'ai couvert en Kama hein, pour l'anniversaire. Oh putain les souvenirs. Oh. Alors, juste j'explique, hein, mais avant Wakfu, c'était des espaces immenses, les cartes des nations, c'était gigantesque, mais c'était un peu vide. C'est pour ça qu'ils ont un peu remplacé en mettant des nations plus petites, mais un peu mieux maîtrisées. Attends, on va retourner sur la faille là. Et sincèrement, ah putain, les souvenirs que ça me fait! Par contre, ils ont vraiment gardé que Amakna, j'ai l'impression. Là, par contre, là, c'est pas du tout. C'était pas ça, là. C'était pas dedans, ça, si? Non, il n'y a jamais eu d'arbres comme ça. Il y a quasiment eu que des arbres récoltables. Ça devait être encore avant. Ouais, ça, à mon avis, c'était avant quand. Ça devait être les premières versions du jeu. C'était beau, franchement, le sol. Alors, le sol est hyper complexe, du coup, ça fait un peu dégueulasse, mais. Oh la vache! Ah, la masterclass souvenir! Là, j'aurais bien aimé qu'ils remettent la vieille Brakmar. Oh là 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 là! Donc, c'est sur la bêta, hein. C'est sur la bêta Wakfu actuellement. Alors attends, ça c'est Bonta. Ça c'était pas Amakna, c'était Bonta ça. Ah oh, toutes les batailles qu'il y a eu ici. Ah c'était la guerre hein. C'était vraiment la guerre. Là c'était la plaine de Kanya. Je me rappelle bien, on passait sans arrêt par là, on passait en ninja pour éviter de se faire aggro. Oh putain. Ça c'était la cabane justice dans mon souvenir. C'est une grosse zone de farm ici, avant t'avais les moules, t'avais les espèces d'hérissons, j'ai oublié le nom. Mais c'était ouf, hein. D'ailleurs voilà, là on voit le drapeau de Bonta.
Et il y avait la place de l'HDV, mais je sais plus si c'était au Faubourg. Ah si, putain, c'était là, c'était au Faubourg. Oh putain. Ah, il y a du monde. Ah, c'est ouf. On a qui là-dedans? Zozio, Alon Fred, Gast. Il y a Siou qui est planqué. Ah oh là 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 là. Trop bête, trop chouette. Et ici c'était vraiment une zone vraiment de conflit, mais perpétuel. Mon Sénégal, bah, l'attaque avait fait un coup monstrueux ici, je m'en rappelle bien. Ah putain, ah non mais merci les souvenirs là. Ah, le bon vieux Zap, ouais. Oh là là. Et en période de guerre, on se faisait aggro dès la sortie. C'était monstrueux. Alors, lieu de construction. Qu'est-ce que c'était que ça? Bah là, à mon avis, c'est plus... Ça devait être la bêta de Wakfu, vraiment. Parce que là, ça me parle pas. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont un peu pétés, là. Ouais, je pense que ça... Ça, à mon avis, c'était un truc de la bêta que j'ai pas connu. Moi, j'ai connu la Gold, donc la sortie de Wakfu. Et j'étais un peu tard dessus, mais c'était assez fou. Bon, j'avoue que le faubourg, c'est une tuerie. Et le temple, c'est quoi le temple? Ah, c'est, je crois que c'est le vieux temple d'Ogrest. C'était ça, modeste, ça. Qu'est-ce que c'est que ce temple? J'ai jamais vu ce machin. Ça me parle pas du tout. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Je veux des dragons, je veux des pics. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, en plus, alors par contre, ça a l'air d'être des matériaux relativement récents. Donc, dans cette herbe-là, ça a disparu. Ces espèces d'herbes cheloues, ça a disparu. Donc, ça devait être avant. Peut-être en bêta. Ça, j'ai pas connu. Tout ça, là... Ça me parle pas du tout. Ah, attends, il y a une porte, là. On peut rien voir, ouais. On peut rien voir du tout. Ah, oh, putain. Ah ouais, non, c'était trop fou, quoi. Bon, alors du coup, sur les 6 maps, il y en a 2 qui me parlent vraiment. Attends, je vais juste revoir. Parce que... Lieu de construction, je connais pas. Je connais pas. Faubourg à mort. Endroit nostalgique, non. Et ancien Amakna, oui. Vas-y, je vais retourner au Faubourg. Je vais souhaiter un bon anniversaire à l'équipe. Non, non, c'est... Je m'y attendais pas. Bah ouais, au bout d'un moment, c'est pour fêter l'anniversaire de Wakfu, hein. Oh putain, les souvenirs. Il y avait rien qui existait. Oh putain, oh, je kiffe vraiment, que de souvenirs.
Après, voilà. C'est. On va pas rester sur les souvenirs, on voit que Fou a évolué en bien, en mal, mais il a évolué et je regrette pas. Mais j'avoue que par moment, retomber sur cette vieille map, lourd. Lourd! Bah écoutez, vu que c'était une petite surprise sympathique, mais courte, on va s'arrêter là. Mais franchement, gros kiff. Profitez de la bêta pour aller voir ces lieux emblématiques et puis à bientôt. Ciao!